Alors bonjour, on est en direct avec Leïla. Et oui, je suis Leïla. Non, je ne suis pas Leïla, mais Leïla est timide. Leïla a des gros furoncles sur le visage et donc elle ne veut pas apparaître à la caméra. C'est ça, t'as tout compris. Voilà, et donc c'est la nouvelle taulière, mais elle n'est pas toute seule, elle nous le dira, mais du bar Le Baron. De la cour, s'il te plaît. La cour du Baron, oui, d'accord. Oui, elle tient, oui, c'est une princesse, elle tient aussi à sa cour. Alors Leïla, Denise et le Baron nous ont quittés, ils sont encore vivants, mais ils font autre chose. Ils étaient là ce matin. Ils étaient là ce matin. Pour le café. Pour le café, oui, ils ont renoncé à l'alcool et au mal, c'est très bien. Ils me l'ont laissé. Et voilà. Et l'idée, c'est, donc tu reprends, tu as un peu rafraîchi le concept. On fera un petit tour, on montrera des photos aux gens, comme ça. Et la question, c'est pourquoi ici, pourquoi là, et est-ce que tu pouvais pas faire autre chose ailleurs? Très très bonne question. Je suis allée un peu partout et finalement, je me suis dit pourquoi pas ici. Mais comme beaucoup de personnes qui ont atterri sur Perpignan, on n'a pas trop d'explications du pourquoi, du comment. À part la perte d'un pari. Non, c'est pas ça. Non, sinon, je serais peut-être moins bien lotie. Non, c'est vraiment un coup de cœur ce bar. Ça a pris un bon moment pour accepter, pour se dire allez on se lance dans ce projet, parce qu'il y a quand même, une grosse histoire derrière. C'est pas qu'un local, c'est pas qu'un fonds de commerce, c'est une histoire. Et il fallait avoir les épaules pour, j'ai pas la prétention d'avoir les épaules pour, je dis pas ça, mais si je suis bien entourée. La cour du Baron, c'est chargé. C'est et pas que de souvenirs. Exactement, mais non, mais en fait, on essaye d'avoir quelque chose, un endroit où on se sent bien. Et comme c'est une affaire de famille, faire en sorte que ça soit la maison, quoi. Donc, on a fait une photographie, mais la seule que tu nous as permise, parce que n'existes pas. Le problème, c'est que mon agent est très bouqué, très cher. Ouais, donc, je t'épargne ce. Oui, tu es chez Bernstein et Bernstein. C'est ça. Et donc. On a photographié, donc il y avait ta mère, ton beau-père, Betty. Oui. Et eux, c'est l'équipe. Mon acolyte, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu derrière, nous as cachées dans les photos? Je ne peux pas le dire, ils sont hors la loi et ça ne va pas le faire, il faut qu'ils restent secrets. Revenons à nos moutons. Alors ici, on peut boire son café. Super bon café. Donc dès le matin, parce que tu te lèves tôt? Oui, on essaye d'être là. Non, c'est pas vrai. On est là à 9h. Et s'il y a de la demande, je suis prête à venir plus tôt. Non, mais n'écoutez pas, laissez-la dormir. Elle a le teint frais. Vous ne le voyez pas, mais elle a le teint frais. Ça commence à se ternir, là, au fur et à mesure des semaines. On ne me reconnaît plus trop sur Perpignan. C'est le travail. C'est mauvais c'est pour la santé. C'est le travail, ce n'est pas la santé. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on avait. C'était un bar à vin avant. Une allitération en ave. Qu'est-ce qu'on a maintenant à la consommation? Alors, comme je l'ai marqué sur le joli tableau qu'ils m'ont laissé, c'est un bar à vin, mais pas que. Alors, on reste sur une licence 3, d'accord? Donc, ouais. Nos alcools, c'est jusqu'à 18 degrés. On est spécialisé dans le vin. Ouais. Mais on peut déguster aussi, comme tu l'as dit, le matin, un bon café, du jus d'orange frais. On peut aussi manger et découvrir des charcuteries, fromages. Alors, la charcuterie, on fait l'effort d'aller chercher pas très loin, y sur tête. Ouais. Donc, direct producteur. Donc, trois jours de cheval. Ouais, à peine. Et le fromage, alors bien sûr on voyage un peu plus avec le fromage parce qu'on a du Saint-Nectaire, on a du Cantal de 16 mois. Ouais. Tout ça, on le sélectionne sur des produits de fabrication artisanale. Voilà. On aime bien ce qui est bon, surtout. Ouais, qui ne rend pas aveugle. C'est ça. Pas des fromages hollandais coupés à la sueur, par exemple. Non, on évite d'avoir d'autres membres qui poussent au bout de quelques consommations. Alors, donc toi, tu ne veux vocation artistique derrière, c'est-à-dire, enfin le lieu est une vocation aussi culture. Alors je tu laisse. Fais un vœu. J'aimerais. En fait, on n'a pas eu un concept vraiment particulier à imposer aux gens. Mmh. On va laisser le public créer le concept du bar. C'est-à-dire que. Tu laisses les clés, on se saoule, on salope tout et mais on se casse. Mais par contre, vous faites la vaisselle après. Ouais, d'accord.
Donc tu veux qu'il y ait des musiciens, des cracheurs de feu, des nains. Voilà, tout ce qui peut apporter... Flatter ta cour du baron. C'est exactement ça, une cour. Mais oui, et puis je serai sur un podium et puis je regarderai tout ça et puis je dirai... Mais pas le droit de te photographier quand même. Non, toujours pas. Et on ne te touche pas. Non, de loin. Mais sinon on est sacrifié sur le... Non, non, c'est pas du tout de la prétention, c'est que ça vous appartient maintenant. C'est la cour du baron. On a eu le temps de Jean-Pierre et Denise qui étaient deux personnages atypiques, en couleur. Ils nous ont donné on les a suivis de bar en restaurant et voilà, ils avaient vraiment leur cour, hein, c'était ça. Et aujourd'hui on va essayer de faire en sorte que la cour renverse le baron et la tête. C'est carnaval, c'est journée c'est des carnaval. Fous. Inversion du rapport de force, un rapport plus horizontal que vertical. C'est toujours moi la bosse. Hein. Voilà. Oui, voilà. N'oubliez pas en finish que c'est toi qui commande. Alors, est-ce que tu as des... Alors, ce soir, tu as un concert déjà. Oui. Est-ce que c'est pour l'inauguration? Ça a déjà non. été inauguré? Non, non, on n'est pas encore sur l'inauguration parce qu'il nous faut des sous pour ça. Ouais, pour qu'il y ait des cracheurs de feu, exactement. Des lanceurs de couteaux, tout pour ça. Pour être un peu plus... Non, voilà. En fait, l'inauguration, on va la faire officielle avec vraiment, voilà... Qui est le maire, le préfet, tout ça. On essaye d'être, de se présenter surtout parce que nous, en plus, on a cette... Alors, c'est un côté positif et c'est une force et une faiblesse. On n'est pas, pas d'ici, on n'est pas de Perpignan. Oui. Tu es un être hybride. On est hybride complètement. Moitié girafe, moitié figue. On vient d'éclore. Voilà. et donc, du coup, oui, on veut de la... De la piscine. Piscine. Parce que d'éclore. D'accord, trop fatiguée pour te suivre. Mais effectivement, voilà, on va essayer de se présenter, c'est déjà la moindre des choses. J'ai pas eu le temps parce que là, entre les travaux qui ont duré malheureusement un peu trop, et moi j'étais enfermée dans ce truc-là, on avait teinté les vitres et tout, donc vraiment je me suis... Voilà, j'ai pas découvert mon environnement et ça me pèse parce que j'ai vraiment envie de faire partie d'un environnement, concrètement, de faire partie d'un biotope. Biotope, c'est beau. Voilà. Et du coup, là, ce soir, on a des jeunes qui... les New Jack, donc, qui vont venir jouer en live du rock. Alors, eux se disent... Reprise de rock. Alors, ils m'ont dit cette phrase que j'adore, de Elvis Presley à Louise Attaque. Donc, là, le panel est magique. On va voir ce que ça donne. On a rendez-vous à 19h pour l'apéro. Ils commencent à jouer à 20h. Donc, c'est notre deuxième petite soirée parce que vendredi dernier, on a eu Fred Chivo qui était au platine. Mmh. Il nous a fait des mix soul, funk et jazz. C'était super, on s'est régalé. Voilà, une bonne petite apéro sympathique. Voilà. Et puis j'espère faire encore plein de choses et surtout. T'as pas encore programmé en fait. Non. S'il y a des groupes qui viennent te venez présentez-vous et comme je dis c'est votre scène ou quoi. Enfin c'est votre scène, c'est votre endroit. Tu les fais jouer où? Montre-nous avec la caméra. Alors on va essayer de les caser. Alors je te montre. Donc là on rentre la porte, donc on a notre petite salle. Et ensuite là-bas, là où il y a le vin, on va déplacer les tables et ils vont être ici, juste à côté du bar, c'est important. Voilà. Et ici, ça va être le cœur, hein, c'est là où on va pouvoir boire du bon vin, surtout. Voilà. Voilà. Alors montre, fais un tour, vas-y, déplace-toi. Alors ici, on a le fameux Chesterfield, ça c'est l'heure de la sieste, hein, elle est là. Nos amis... Voici, et retour vers toi, du coup. On va se rasseoir. Il va falloir que tu m'expliques pourquoi tu passes beaucoup de musique française. Ah non, mais c'est parce que toi, tu tombes à ces heures-là. Oui, non, mais moi, j'aime bien. Hein, mais Il y a de tout. C'est assez rare. C'est en fonction de mes envies. D'accord. J'étais très, très cubain la semaine dernière. J'ai fait 3 jours de musique cubaine. Ouais. Après, ça peut être aussi de la soul. Et du piaf le matin, j'aime bien. Ouais, t'aimes piafé le matin. Dès j'aime le matin, piafé directement, piafé. Avant le café même, voilà. c'est meilleur. Tu grappes dans ta remorque comme le cheval, tu piafes quoi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire aussi? Oui, est-ce que tu as des jeux pour distraire les gens ou
Ils ont intérêt à avoir de la conversation pour se divertir. Écoute, des jeux de cartes, des jeux de dadas. Je rêverais faire une table avec des, enfin un échiquier. Ouais. J'aimerais pouvoir avoir des étagères et mettre des vieux jeux. Et voilà. Là, pour l'instant, j'ai commencé un truc que mon ami David. De l'épicurien. Oui, il m'a donné des livres et je trouve ça génial. Il me les a déposés là. Il m'a dit fais vivre ton truc. On les prend, on les ramène, on les lit. Je vais faire mon petit tampon et puis peut-être qu'ils voyageront partout. Qui sait, on les retrouvera peut-être, je sais pas moi, aux États-Unis, rêve américain. Voilà. Donc, non, c'est, j'aimerais vraiment. Voilà, c'est comme à la maison. Moi, je suis ici H24 quasiment. Je fais que dodo chez moi. Je sais même pas pourquoi je paye un loyer chez moi. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle, merci. Mais toi, un lit de camp. Mais oui. Tu dors sur la banquette là, le matin. Bon, au niveau de la fraîcheur, je pense que tu en perdras. Mais comme on ne te voit pas, finalement, exactement. Qu'est-ce que ça peut faire? Et je n'existe pas en fait. Tu une voix off du bar. Est-ce que tu voudrais des lectures, des trucs comme J'aimerais ça? J'aimerais bien, ouais, c'est toi qui m'as proposé ça. Je trouvais ça super sympa. Je suis très 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 mauvaise lectrice, donc je le laisse aux pros. Non, tu dis ça, je pense que c'est même pas non, vrai. Non, je suis même un peu dyslexique et tout. Non, je te promets, c'est vraiment, c'est terrible. Mais hein, justement, mais... ça t'aidera. Ça m'aidera. Non, des impro théâtre, des choses, voilà, des expos. Voilà, ça fait 3 semaines qu'on est là et j'ai le cerveau qui fuse, et surtout grâce aux rencontres, les nouvelles rencontres des gens qui viennent et qui sont intéressés par l'endroit. Voilà. Est-ce que tu comptes sur l'université pour venir abreuver les abreuvoirs? Je compte sur les individus, voilà. Quels qu'ils soient. L'université ne sera pas déçue, comme ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je t'ai pas demandé, qu'il serait temps que je te demande, parce qu'il faudrait c'est pas oublier. C'est parce que là, je viens de voir, justement, on va le redire, l'établissement, c'est la Cour du Baron, les amis. Je vois qu'il y a une petite question. La Cour du Baron, 6 rue du Théâtre. Voilà. C'est tout ce que tu avais à dire pour l'instant, mais si tu me... Non, il faut à un moment donné, ça... Comme dirait Terminator. Voilà, il faut s'arrêter, sinon je te monopolise ton écran. Et, non, mais vraiment, voilà, merci en tout cas de ton intérêt, d'être venu me voir. Et j'espère j'étais que... à côté aux épicuriens. Ouais, c'est moi qui t'ai obligée. Je t'ai tiré par les cheveux, d'ailleurs, il t'en reste plus beaucoup. Ouais. Et ouais, non, merci. Eh bien, on va se dire au revoir et à la prochaine fois. Au revoir. Donc, ce soir, c'est à 20h le concert. Ouais. C'est 6 rue du Théâtre. Venez à 19 pour avoir une table. Hein. Voilà, oui. C'est ils commenceront, voilà, ils vont se chauffer à 19h. C'est bien de les voir se chauffer. Et donc, c'est du rock. C'est du rock. Reprise. Les New Jack. Les New Jack. Ils sont 5. Leïla, merci. Merci à toi.